Voici Captain Flyer Dress, plus connu sous le nom de Champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Avec la mise à jour d'Halloween, car aujourd'hui nous sommes l'Halloween et je vous souhaite un joyeux Halloween. Ouais, haha. Tout au maximum. Mais il y a une raison à laquelle que je fais ceci. Je m'en vais dans mon village par contre. Mais je fais dur. Pas si dur que ça parce que j'ai amélioré tous mes remparts au niveau 9 autour de l'hôtel. L'hôtel de ville. Il me reste tout ceux-là qui vont être longs. J'ai fait un petit rush de remparts pour le mois de septembre et octobre. Là, on va continuer l'amélioration, donc je vais améliorer l'hôtel de ville. Mais avant d'améliorer l'hôtel de ville, n'as-tu pas remarqué de quoi? Ouais. J'ai resté surpris qu'il y ait ça. Pourquoi fallait qu'il y ait ça? On a une troisième des tours de l'enfer, puis même un nouveau piège, qui est le piège tournade. Que le propulseur d'air, mais j'ai hâte de voir c'est quoi sa fonctionnalité. Ça coûte quand même 3 millions. Puis je peux en avoir combien? Ouh. C'est bien. Halloween, avec quelques informations importantes. Pour commencer, on va dire qu'est-ce qui est mis à jour et tout. Mais après ça, restez là parce qu'il y a des affaires importantes sur la chaîne. Pourquoi que pendant une semaine, il n'y a pas de vidéo. Ainsi que un problème technique que j'ai eu. Que je vais tout vous dire. Mais en premier, bien sûr, ceci, le chapeau de sorcière. Et elle nous... C'est ce qui est nouveau. Je trouve pas très réaliste. Avec toujours des décorations avec ceci. Les gros arbres aussi, il y en a. C'est juste ça, fait qu'il n'y en a pas. Qui est un peu normal. Sinon, dans cette mise à jour. Là, ce qui est nouveau, et ici je me trompe pas qu'on peut le voir, mais il faut être 15 minimum pour participer à une ligue de guerre de clans, et nous pouvons avoir des trophées de clans. Ça fonctionne. C'est le clan, j'ai abandonné l'autre qui est au niveau 2, presque au niveau 3, pour avoir le nom de champion MCL. Il était inactif, on peut dire. Là, c'est un clan, un gros clan que j'aimerais faire. Oui, ce village peut être inactif, je m'en fous. Parce que c'est moi. Puis c'est mon deuxième compte que je fais moins de... Je suis moins actif sur ce compte-là. Je suis plus actif sur ce compte-là. Vous pouvez toujours venir. Pour venir, j'ai changé le règlement. Bon, le règlement, le nombre requis de trophées. Il faut être hors 1 minimum. Au début, c'était Crystal 3. Mais maintenant, j'ai décidé de faire hors 1. Vous me souriez. Oh. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un aperçu de la dernière vidéo. Terminer l'exportation. Sinon, comme mise à jour, il n'y a pas vraiment de mise à jour. Il n'y a pas grand chose qui se sont ajoutées autre que la tour de l'enfer et puis le chose de tournade.
Autre que ça, il n'y a pas vraiment de mise à jour qu'il y a eu. Nous allons attaquer dans ce second village. Chose sur la chaîne. D'accord. En gros, la question est pourquoi avoir pas fait de vidéo pendant une semaine, cette fois-ci volontairement, ce que j'ai dit. La raison est simple, c'est que j'ai été très occupé. J'aurais eu le temps de faire peut-être une vidéo ou deux, plus une vidéo que deux. Oui, j'aurais peut-être eu le temps, mais j'ai préféré de pas faire de vidéo. Samedi, j'en ai fait quand même, le dernier samedi. Pas le samedi hier. Pas samedi passé, mais l'autre samedi précédent. J'ai quand même décidé de faire une vidéo pour cette journée-là. Mais c'était la dernière pour une semaine complète. Le rythme va reprendre à partir de maintenant, là. C'est simple. Pff. 70%. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Ah, ok, une victoire. C'est bien. Puis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que j'ai décidé de prendre une semaine pas de vidéo? Parce que le mercredi, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, les inspecteurs, l'exterminateur plutôt, il vient voir si on a des bébés, tout ça. Puis après ça, la journée même, il nous donne un délai d'une semaine pour tout qu'est-ce que les murs soient dégagés. Toutes les murs qui soient dégagés en une semaine. Vous imaginez? Là, on a dû travailler fort pour ça. Je vais me demander de l'aide. Tellement. Que sinon, on n'aurait pas arrivé à temps. En gros, mardi, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ça, je peux vous le garantir. Pas eu le temps de faire quoi que ce soit mardi. Mardi, j'ai loué un camion. On a loué l'entrepôt. Un camion. Pour tout déménager le stock temporairement pour une journée. Là, on va commencer à ramener tout le stock. Mais quand même, à cause de ça, j'ai décidé de pas faire de vidéo parce que je savais que ça aurait peut-être été long et toute la quête. J'ai préféré pas faire de vidéo puis me concentrer à faire ma journée du ménage. On n'a pas eu le choix de faire ceci. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les choses qui arrivent. On a fait ça, puis mercredi est passé. Enfin, ils ont passé, puis là, je suis plus relax, tout ça. Et c'est pour cela que j'ai refait des vidéos. J'ai refait une vidéo, l'enregistrement J'écris une histoire avec vous. J'ai fait l'enregistrement jeudi. En minute, là. Mais j'étais fatigué de mardi et mercredi. Mercredi, j'ai fait un. On a placé les. On a joué Tetris pour déplacer les meubles et tout ça. Pour ensuite aller travailler. De tout ça, je pensais que je travaillais à une certaine heure, mais on m'a appelé parce que j'ai pas rentré. Puis, oups, je pensais que c'était plus tard, mais non. C'était moins tard. Je l'avais presque 92%. L'autre, il me fait 100%. Fuck!
en gros, c'est ça. Puis, si vous avez remarqué des annulations de séries par rapport surtout ordinateur. Comme Sea of Thieves n'a pas vu le jour ce mois-ci. Ne verra pas le jour probablement pour le mois de novembre non plus. Ben, c'est pour vous dire que j'ai eu un petit problème technique avec la carte graphique GTX GeForce GTX 1000. Oui, la fameuse carte graphique. Ça faisait peut-être à peine un mois à peu près que je l'avais. Et elle fonctionne encore, mais la carte graphique a décidé de ne plus de me lâcher. Elle fonctionne encore, jusqu'à il y a encore une interface, mais l'interface est comme disons que c'est pas. On sait qu'on voit que faut que je change la carte graphique. C'est des choses qui arrivent. Même des neufs. C'est par contre une garantie. Même des neufs peut arriver. Ceci. Là, faut que j'achète une nouvelle carte graphique. Là, par contre, je suis en train d'hésiter. Honnêtement. Est-ce que je devrais prendre du 1070 ou du 70 Ti, peu importe. Je sais pas c'est quoi la différence de prix. Si c'est Ti pour à peine plus cher ou même prix, pourquoi pas prendre Ti. Mais la RTX 2070 m'intéresse par contre. Je me demande quoi prendre, honnêtement. Au plus, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous me proposez qui soit compatible avec un processeur de deuxième génération. Pour que si vous demandez c'est quoi combien de volts que j'ai 750 watts. C'est pas volts, c'est watts. Si je me trompe pas. C'est 750 watts. Plus je confonds, je suis confus. Mais c'est 750. Ok, pour la boîte d'alimentation là. Que je suis simplement correct pour du 1080. 1080 coûte 800. Moi, par contre, je vais payer moins cher. Ça ne tente pas de payer ce prix-là. Avoir l'argent, je mettrai une petite élevée. Avoir l'argent et tout. Même avoir l'argent, je me montrerai un ordinateur puissant. Tiens, me monter une bombe là. C'est gros processeur, grosse carte graphique, grosse RAM, gros de tout là. Moi ce serait c'est pas mal mon objectif mais pas tout de suite parce que ça coûte cher un ordinateur comme ça. Juste ça, pour tout ça là, ça me coûterait combien ça? Au moins quelques milliers de dollars. 4000 dollars ben comme il faut. Mais je serais assez fou pour ça. Mais moi, par contre, je suis raisonnable. Je vais avec le minimum. Je suis prêt à payer peut-être payer une 1070. 70, 70, peu importe. Mais je serais peut-être prêt à payer ceci. Mais à cause de ça, par contre, je peux pas jouer. J'ose même pas jouer à Sea of Thieves. À cause de ça. J'ai fait une vidéo. La journée que ça m'a lâché, j'ai fait une vidéo Sea of Thieves pour ma seconde chaîne, qu'il faut que je fasse un montage. J'ai pas pris le temps de la faire. Je vais la faire. Pense à. Chance, c'est fin septembre.
Ouais, c'est en fin septembre qui est arrivé, même un peu moins de un mois plus tard. Ouais. Un peu moins de un mois après avoir reçu cet ordinateur-là, j'ai ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qui arrivent. Avoir détruit ça, j'arrive à 100%. Mais c'est pas le cas. J'aimerais ça avoir une victoire par contre. Pour qu'est-ce qui est de la chaîne là. C'est ça d'augmenter certaines choses pour ma tour. Quand je vais augmenter les choses, c'est plutôt l'espace disque qui n'avait pas assez. J'ai acheté un disque dur d'un Teros. Si vous demandez c'est quoi, le disque dur c'est Barracuda. Puis oui, on m'a dit il faut que je vérifie les pilotes de ce disque dur là. Inquiétez-vous pas, je vais les vérifier éventuellement quand que je vais réussir à trouver un fil SATA. J'ai un fil SATA, mais je pense qu'il est long, qu'il court. Trop court pour je pense qu'il est trop court. Il n'est pas encore vérifié. Sinon, il faudrait que je m'ajoute un fil de SATA. De toute façon, c'est ça que je vais faire. Ce qui en est juste pour le change en ce moment. La raison à laquelle que j'ai pas eu de vidéo pendant une semaine. Yeah. Sinon, ici, qu'est-ce qu'il y a eu en amélioration? J'en ai amélioré pas mal. Amélioration. Ça, c'est tout au niveau 8. Ce qui reste à améliorer, tour de Tesla, double canon, poste de garde, mon tour d'archer tout au maximum. Et après, ceci. Il est quand même amélioré pas mal. Il reste un niveau. Moi, comment je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, on est au maximum. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai que 14 améliorations à faire. Juste ça. C'est bien. Puis ensuite, je suis tout au maximum. Il va juste me rester à gosser avec les remparts. Bon, donc je vais commencer par ça avant tout. Ensuite, on va tout améliorer. Puis bientôt, le village va être au maximum du niveau. Ouais, bien ça. Amélioration enfin. Surtout, c'est tout un niveau d'amélioration. Sauf lui, je me suis dit que je vais l'améliorer un peu parce que j'ai pas encore amélioré du tout. Il est même pas amélioré du tout. Il est amélioré un peu, mais je vais le continuer à améliorer. Ça va toutes les rangs. Oh. Ça? On peut l'améliorer au niveau 13? Hein? Je savais pas. Oh wow! Je vous l'avoue, je ne savais pas. Je vais faire ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais faire ça un instant. 6 millions par contre, mais quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait les améliorer. À nouveau. Intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas amélioré. Amélioré ça fait très longtemps. Wow. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ok, ici le contour c'est noir. Ouais, je fais une découverte avec vous. Ça. Je sais qu'il faut que j'améliore ça. Je pense qu'on peut améliorer ça jusqu'au niveau 13.
Ça, je sais quand je peux améliorer ça. C'est ça que je ne savais pas. Ça non plus. Alors, en gros, j'ai pas mal à améliorer. Je pense que ce que je vais faire, je vais me concentrer là-dessus. Mais avant tout, si me concentrer tout l'enfer et ceci aussi. Ça, c'est sûr. Mais éventuellement, je devais le faire. Je vais améliorer l'hôtel de ville, puis tout améliorer au maximum. Au secours, s'il va être là. Je suis courageux un tout petit peu. Peut-être que je me suis rendu à champion 2, puis j'ai pas resté trop longtemps. J'ai descendu champion 3 assez rapidement. De toute façon, vous l'avez sûrement vu avec la dernière vidéo de Clash of Clans qui évolution de village. Qui faisait un méchant bot que j'avais pas évolué de village. Tout pour cette aventure. C'est vrai que maintenant faut que je dise aventure et non vidéo. Ah, ça peut être incroyable. J'aime mieux tu t'améliorer au maximum que. Avoir ça au maximum puis tu t'améliorer au fur et à mesure que. Tu t'améliorer au maximum après ça soit. Moi, une fois qu'il va être tout amélioré, il va être fait. Là, je suis loin de tout avoir. Je suis loin de tout être au maximum, ça, je peux vous le dire. Très loin. Alors, mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours suivre TowerWalkerLiveTV, mon site internet, dont les liens sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans et autres vidéos. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.